Petit brief avant qu'on y aille. Aujourd'hui, on est sur les positions de défense de la semaine passée. Il faut savoir qu'on a une petite heure, donc on va dire 10 minutes actuellement pour se positionner sur la zone. Si jamais vous voyez des Américains, pour le moment c'est drapeau blanc messieurs. Donc on récupère nos morts, on prend nos positions et vous ne tirez surtout pas avant les ordres du commandant. Donc on a 10 minutes pour aller sur zone, se positionner messieurs. On y va en courant. Ok, chacun une petite question. Comment ça fonctionne le commandement, il nous le dira, il se déplacera dans nos lignes pour nous dire quand pour ouvrir le feu. Oui, oui, logiquement, on devrait avoir une estafette, on devrait vraiment pas être loin les uns des autres, donc vous inquiétez pas. Allez, en colonne, messieurs, deux d'un côté, deux de l'autre, et en avant, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. Soldat Harald, soldat Tipex, Cipex, vous prenez la première maison à droite, s'il vous plaît. ADS, vous vous mettez dans la deuxième maison sur la gauche. Soldat Hornet, vous vous mettrez dans l'église avec la T, s'il vous plaît. Et où Cipex? Je suis en haut, okay. J'ai un super visu. Ouais, pareil. On a un super visu là. On a même une fenêtre pour tirer. On a récupéré une MG. Et nous, du coup, on a pas de blindé, nous, on est d'accord. On va se faire tuer. Je crois pas qu'on ait eu des renforts. Ouais, ben, éventuellement, voyez avec votre sergent si vous ne positionnez pas avec certains de mes hommes. Ouais, on va se faire flinguer ici. Il t'a dit de monter avec nous. On pourra descendre un étage en dessous. Ouais. Là, je pense que ce serait intéressant de juste prendre la formation des ennemis. Ouais. Faut pas qu'on vous reste tous au même étage, c'est sûr. Messieurs, j'entends un blindé. Ah, faut le laisser passer là, ça doit être le blindé des Américains. Ouais. Interdiction, pas le droit au tir, on rapatrie nos blessés, messieurs. On a bien reçu. Moment, pas le droit au tir, messieurs. Regarde bien, ils sont où? Sergent Chacan. Affirmatif. Vous savez si on a un blindé allié avec nous ou pas? Affirmatif. Super ça. Ça c'est bon, ça remet du baume au cœur. Tu vois, j'ai pas mon casque, mais on a un blindé, c'est bien. Ouais. Et ils arrivent avec le blindé, attends, il est où ? Ah, quand tu pourras expliquer ça à ta femme, ça sera beau ça. Merde, il doit être en bas là. Il y a ton enfant. Ouais, faudrait que je trouve une femme déjà. Et la grosse bavaroise ? Bah, on verra. Faudrait qu'elle est célibataire. La façon dont tu la présentes, ça donne pas trop envie, mais bon. Messieurs, commencez à vous concentrer. L'ennemi est dans les parages. Restez vigilants. Moi, je vais voir le commandant, je reviens, messieurs. Chef ! Combatif ? Il est parti, chef. Ah merde. On est la section la plus au sud. Par la fenêtre, il y a besoin qu'on t'écoute par la fenêtre. Chef, on est la section la plus au sud, vous confirmez ? J'ai vraiment peur de rester à cette position. Négatif, on a encore des coupes à nous. Les planches de bois, Les moins de balles de main vont aller traverser, c'est un problème. On a des escouades alliées au sud-est, dans les rues en sud-est. Donc faites attention à pas tirer au sud-est. D'accord, mais... vraiment face à face à nous. Tirez direction sud, sud-ouest. Ok, bien reçu. Cipex. Je sais pas si tu les vois s'installer là, les Américains en face, là ils ont récupéré les corps de leurs copains là. Et ils sont sud-sud-ouest là, tu vois le. Viens. Les azimuts. Regarde là. Logiquement, vous avez tous des boussoles donc oui, vous avez le droit. Regarde là, tu regardes. T'as ta boussole? Ouais, j'ai ma boussole. Tu regardes en 195 là. Le bâtiment au fond là. Ils sont en train de s'installer, ils ont récupéré leurs cadavres, leurs collègues. Où ça? 195. Ils sont en train de discuter à l'extérieur, t'as vu là? 195. Oh, un midi. Ouais, on les voit, on les voit. Azimut 200, chacun y a du monde. Pardon, excuse-moi. On tire pas pour l'instant. Ouais, hein. Si, c'est admis. Ok. Et là-bas, j'en ai vu là. Mais au moins, on sait qu'ils sont là-bas. Ouais, on sait où ils sont au moins. Et vous voyez le Sherman en 280? 280? C'est ma section. C'est ma section qui l'a détruit il y a deux semaines. Ah ouais. Ah oui, exact, oui. La vie n'a pas de prix. Putain, il fait froid dans ce pays. Ah, vivement qu'on se casse ici. Vivement l'été. Faites attention, apparemment, l'ennemi se prépare, donc ils ont récupéré leurs blessés, la bataille va bientôt reprendre, donc restez sur vos gardes. Hein. Dès que vous avez des écotiers... Seul, j'ai vraiment peur. Là, pour l'instant, il y a eu un visuel, hein. De l'ennemi, là. On a du visuel direct, nous. Puis 200 en position. Ah merde.
C'est nous qui allons prendre la, 200, la première... 200. C'est nous qui allons prendre le premier. 200, ouais, juste 200 de ma position, ouais. 199. Décalez-vous, Sipex, j'essaye de... Ils sont en train d'investir la, la maison là, en face de nous, là, la maison détruite. Ils investissent la maison en 205. Ouais. 205, ok. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir okay, le... Ok, oui, oui. On voit. Négatif, pas encore. Celle qui a 200. Oh, il y a une MG, il y a une MG en 209. Visu, visu. 209. Ouais. Visu. Ouais, si ouais. Dès que, vous la gardez dans votre cible et dès, dès qu'elle ouvre le feu, vous tirez. Messieurs, cachez-vous, faut pas qu'il nous voit. Ah ouais, on va se cacher. Faut pas qu'elle nous voit et moi, dès qu'elle sort, je lui mets une tête. Ah ouais. Hey, ils sont la convention de Genève, c'est nul, chef. Faut qu'on puisse faire feu. Elle est sortie, là. Non, elle est chef, là. Dès que je peux, je le tire dessus. Ok, messieurs, j'ai vu du monde sur le toit. J'ai vu du monde sur le toit du bâtiment 217. Vas-y, mute 217. Ok, gardez un visuel, messieurs. Sur le toit, il y a du monde. Quand est-ce qu'on peut faire feu? Oh putain, alors messieurs, tu l'as vu Tipex sur le toit de la 217? Négatif, j'ai la MJ là qui. Enfin la batteuse là qui me regarde. Ok, là. Occupe-toi de la batteuse, moi je m'occupe de l'autre okay. Sur le toit. J'ai la batteuse aussi en visuel. Ils sont montés sur le toit. Vous avez des Moser les gars? Négatif, okay. J'ai un Gewehr 43 moi. J'ai une MP44, celui qui a le fusil le plus puissant tire sur la MJ en premier. Bah c'est à Tipex s'en occuper. Moi je méfie toujours Zimut 117 sur le toit là, il y a eu du monde. Ne tirez pas pour le moment messieurs, ne tirez pas hein. On vient de recevoir les indications. Oui. J'ai sa tête dans ma ligne de mire. Oui je sais mais ils viennent de récupérer leurs blessés, ils en ont profité pour avancer la ligne de front. Donc restez sur vos gardes mais pour le moment le cessez-le-feu est encore opérationnel. Dès que ça commence j'en ai un qui tombe là-bas en face. Ah oh, nickel. Fin du cessez-le-feu dans moins d'une minute messieurs, tous okay. En position. Ah. Enfin! Messieurs, courage à vous! Prêt à combattre, messieurs, prêt à combattre! Nous sommes prêts! Ouais, on suit. Allez, tu nous fais un décompte, chacun. Tipex, bonne chance! Bonne chance, les gars, merci! Bonne chance! Allez, messieurs, on se revoit juste après la bataille. Audio char! Ok, on a un éco-char ici, éco-char! Je vois plus personne. Éco-char, chef. Alors. Contact dans 30 secondes, messieurs. 30 secondes. Cette pression. J'en ai plein là en face, en 180. En 180 tu dis? 20 secondes messieurs, 20 secondes. 20 secondes. Là je vais mettre une tête. T'es au dernier étage Harald. 10, 9, 8, 7, 6, 5, mon cœur bat à fond. 4, 3, 2, 1, fin du cessez-le-feu. Laissez-moi en vrai hein. J'ai mis la tête. Parfait. Monsieur, donnez des azimuts si vous avez du mal. Reçu Sipex, reçu. Économisez vos munitions messieurs, je vous rappelle qu'on n'a pas de caisse de munitions aujourd'hui hein. T'as des yeux qui passent. Très léger, en 190 dans la forêt. 170 dans la forêt. 190, je sais pas si tu vois, il y a des barricades au fond là. Ah négatif, j'ai pas de visu. C'est vraiment léger hein, le visu que j'ai. Hein. Contact en 188, messieurs, 188. Bon, 189. J'ai aucun visu moi, putain. Contact en 190, viens ici, viens te mettre sur la... Ok, j'arrive. La porte là. En fusillé, tu te mets au-dessus de la porte ici et tu tires par là. 189, 190, il y avait du contact. Affirmatif. On a quelqu'un qui surveille l'escalier. Ok, reçu. Un rêve. Allez peut-être défendre la cuisine en bas, avec l'arme automatique. Il y en aura peut-être besoin. Déjà plus beaucoup de munitions.
Ok, reçu. Économisez, mettez-vous près de la cuisine. On est sur la cuisine. Il nous reste 9 chargeurs pour un coup. Oh, ok, on va recharger. Ça traverse de gauche à droite en 200 là. Derrière les bâtiments. Gardez vos munitions. Tirez si vous êtes sûr de tuer, messieurs. Tirez si vous êtes sûr de tuer. Je répète pour info, j'ai vu une section complète passer de gauche à droite en cap 200. Il partait vers le bâtiment à droite. Ok, bien pris. Ok, reçu. Merde, on a pas de fenêtre sur le flanc gauche. Et pourquoi on peut pas avoir de caisse de munitions? Parce que on en a plus, on a plus rien, on a tout utilisé la dernière fois. On a du contact sur le flanc gauche, messieurs, faites attention. Ils ont claqué des smokes en 190 là. Ok, d'accord. Ok, contact en 189-190, effectivement. Ok, je les vois partir sur la gauche, ils vont vers le cap 170. Ils sont en train de partir sur le flanc gauche. Ok, ok, j'arrive, je vais me mettre en position pour couvrir. Mais ils sont à 50 mètres au moins, ils sont derrière la brume, là, ils vont arriver peut-être derrière la butte à gauche. Ok, d'accord, je suis à côté de toi, je me change. Regarde dans 186, il y a du monde. Ok, 186, 190 okay, aussi. Putain, je vois rien. J'ai aucun visu, moi, Tipex. C'est vraiment léger, ils sont à 50 mètres à peu près. Je vais essayer de te donner une meilleure info que ça. Ils sont par les premiers arbres là ou plus loin? Ils sont plus loin, derrière les premiers. Tu vois la haie là? Derrière okay. La haie. Ils sont dans la boum en fait. Yo McFly. Tipex. Ouais Tipex. Tu vois le... La petite cabane là à côté des bâtiments là, les bâtiments qui sont en 200 là, il y a une petite cabane à gauche là. 190 à peu près, 194. Ok ouais, j'ai vu du monde passer devant. On a plus de troupes sur la droite. Ok, je vois du monde derrière la cabane, ouais, j'ai vu. Derrière la cabane, on est d'accord. Ouais. Ok, j'ai vu du monde. Bonjour soldat McFly. Faites attention à vous, il y a du contact vraiment. Si on a plus de mine, on va être dans la merde. Ah, j'ai pas mal compris. Par la forêt en azimut 170, les deux bâtiments, les deux maisons. Ok, ça reçu. Il y a encore du monde en face de moi là. Donc ils sont en train de nous contourner sur le flanc gauche également. C'est calme là, hein. On leur a fait peur je pense. Ouais mais il n'y a pas mal qui sont partis sur le flanc gauche. Hein. Ok messieurs, on est tous là ou pas? Vivant. Ok, vivant. Donc on a au moins 3. ADS4. Ici, ouais. Bon. Ornette, vous êtes tous, on pas de blessés, personne. Ornette, c'est bon, vous inquiétez pas, je vais surveiller de temps en temps. On est tous là, chef, on est tous là. Ok, reçu, restez sur vos gardes, gardez, économisez vos munitions. J'en ai eu qu'un. Moi je pense pas avoir eu de monde. Moi j'en ai eu un, c'est sûr. Non, moi je sais pas, j'ai tiré. Son mais... casque se fendre en deux. Et toi, Tipex, t'en as eu, tu penses? Je pense, ouais, mais je peux pas confirmer. J'ai tiré sur des silhouettes donc. Pareil pour moi, j'ai tiré sur des silhouettes. Ok, c'est parfait. Ouais. Moi je pense rien avoir eu. Lui il est tombé là. Ok, parfait. C'est où ADS? Azimut. Ah, je redescends.
Je redescends. Non, mais moi, je suis okay, sur la okay. Principale. D'accord, ok, très bien. Ouais, donc ça nous contourne en 550, effectivement. Restez sur vos gardes et gardez vos munitions, messieurs. J'ai peur que ça monte, en fait. Je suis sûr qu'ils ont tourné sur la droite aussi. Ils ont fait un droit et à gauche, de toute façon. Ils peuvent pas venir sans. Ouais, sur le. De temps en temps ça traverse la route, mais j'essaye de faire attention parce qu'apparemment on a des alliés dans le coin. Moi j'ai eu zéro contact en face de moi. Faut pas que les alliés s'amusent okay, à ouais, courir c'est, dehors. C'est calme, chef. Ok, bon, on va sinon, rester. Rester en observation et tirer si vous êtes sûr, messieurs. Venez nous informer si vous, y a une, vous savez qu'il y a une section qui se déplace parce que nous on va tirer. Hein. Affirmatif, ouais. Affirmatif, pardon. Oui, ne vous inquiétez pas. Bon, moi sur ma position ça continue de se déplacer. Hein. Ils partent de la gauche vers la droite en direction de la grande rue. Au dernier bâtiment au fond. Ils sont plus là, ils sont partis je pense. Ok messieurs, on doit tenir nos positions, apparemment on a, on a subi quelques pertes quand même, mais l'adversaire aussi, donc pour le moment on tient bon. Ok chef. Dès que vous avez plus de munitions, vous prévenez messieurs, hein. Prévenez. D'accord. Qu'est-ce qui se passe quand on a plus de munitions? On back. Plus vite qu'ils avancent. Gardez bien vos munitions. Hein. Alors... Faites attention, on a des troupes à nous en sud-est hein, quand même. Donc tirez que si vous êtes sûr. Chacal, je te trouve que tu as. Ah oui, merci. Ah, aucun souci, t'inquiète. Bien calme. Ça court à côté. C'est ah, c'est. Qui court à côté de nous? C'est moi. Attends. Ah, ok, attention, reçu. Ils ont envoyé des grenades sur la route principale. Bien reçu. Donc préparez-vous éventuellement. Chef, sud-est là, j'ai ouais, j'ai entendu explosion sud-est là. Ça risque de nous faire le. Ça risque de nous faire le bac là. La fameuse technique de la tenaille. Ah ouais. Ouais, mais faites attention. On a tout. Oui, je sais, il y a des alliés de ce côté-là. Ouais, ouais. On a toujours des alliés au fond de la route, logiquement, d'après les dernières informations du commandement. Ok. Ouais, je les vois, ils sont en train de tirer. Non, ils se font tirer dessus, là. Ils se font tirer sur leur bâtiment. Ouais, ils sont en train de prendre cher. Je sais pas s'ils sont vraiment au fond de la route. Hein. Non, non, ils sont pas au fond de la route. Y a personne au fond de la route. Ah parce que tout à l'heure, depuis tout à l'heure je tire là-bas et ça envoie du pâté. T'entends un blindé qui bouge là. Ouais. T'avais du visu toi, Tipex? Non non, je regardais en bas comment ça se présentait la rue. Ok, d'accord. Moi d'en haut j'ai rien du tout hein, du dernier étage. Ok, soldat Tipex, vous venez en couverture du Harald qui est allongé dans la rue près de la porte d'entrée s'il vous plaît. Ouvrez-le, mettez-vous pas trop à découvert. Et où est-ce qu'il est Harald, de quel côté là? Il est long de la rue là, il est couché par terre. Sergent Chacan. À droite là, il est long, il est allongé par terre sur votre droite. D'accord. Regardez. Ah. Eh Harald, t'es trop bien caché. Ouais, mais c'est pas le but. Là, ils vont vouloir traverser la route et moi, je vais les plomber à ce moment-là. Ah ouais ouais. Pour info, un chef de groupe qui m'entendrait, il y a toute mon escouade qui s'est fait fumer dans la maison à 146 degrés. À 146 degrés, il y a toute mon escouade qui s'est fait fumer. Bien reçu, je passe le message au sergent. Loin, pardon. Revenez sur nous, Ornette, et chef, revenez, chef. À couvert chef. Il y a toute la section. Oh, je sais pas c'est quelle section d'ailleurs. Celle qui était au bout de la rue là, qui s'est fait décimer. J'ai vu quelqu'un. Ils ont. Azimut, messieurs, azimut. 142 de ma position. À l'extérieur, ils sont en train de traverser la grande rue là.
Ok, Harald et des Tipex, faites attention à vous, vous restez bien à couvert ici. Ouais, ouais, ouais. Harald, je vais faire les un bond, je vais passer de la côté, première maison, vous venez dans la deuxième maison. Sur le champ, à ta gauche, sur ta gauche, d'accord, Harald. Ouais. Il y en a qui, vous prenez l'étage, il y en a qui reste prêt à couvrir. Hornet, tu restes prêt à aller soigner nos deux collègues à l'extérieur s'il y a besoin. Tu es dans les ruines, Harald. À plus de 70 mètres. Ça marche. ADS, t'as des visu de ton côté? Ah oui, bah je viens dans un abattrain là qui traversait là-haut. 70 mètres, je l'entends crier. J'entends. On entend un char, on entend un char, faites attention. Et on peut rien faire contre le blindé. On n'a pas essayé de Panzerschreck. C'est la crise. Chef, on est d'accord, il n'y a plus personne au sud-est. Sud-ouest, on a encore logiquement deux escouades alliées en sud-ouest. Sud-est, sud-est. Mais apparemment, il y a des troupes adverses entre nous. Sud-est, pardon. Apparemment, il y a des troupes adverses entre nous et nos collègues qui sont. Nos collègues, logiquement, sont en 120-130. Mais les premières maisons sur la droite. Ils sont fait décimer, chef. Les 160 sont capturés par l'ennemi. J'ai envie d'avancer. Négatif, on a encore des contacts radio avec des survivants. Ok, bien sûr. La rue. Chef, si c'est possible d'envoyer un groupe avec un médecin dans la maison à 150 degrés, il y a un mec de mon escouade qui est blessé. Ok, Hornet et Cipex. Celle avec l'éléphant là sur le mur. Ouais, celle avec l'éléphant, par contre, faites gaffe. Il y a quelqu'un qui parle dans les ruines à gauche. Okay. Oui. Par contre, faites gaffe, il y avait mon unité là-dedans, ils sont tous fait décimés. D'accord. Où ça, dans les ruines là? Oh, là, regarde, en fait, Cipex, tu vois le bâtiment avec l'éléphant là? Il y a un blessé à l'intérieur. Par contre. Dans quel bâtiment? Lequel? En 150 là, il y a un éléphant là. Ouais, ok, oui, d'accord, ouais. Dedans, il y a. Par contre, l'unité s'est fait décimer celle qui était à l'intérieur. Ok, d'accord, Cipex, très bien. Il est au rez-de-chaussée. Il serait au rez-de-chaussée, ouais. Ok, merci. On va essayer de le relever. C'est celui que j'entends crier depuis avant, je l'entends crier. J'ai vu passer. Attention, il doit y avoir des troupes ennemies qui sont proches. Fais gaffe, Cipex, il y a sûrement du monde, parce que tout à l'heure j'ai vu ce bâtiment qui s'est fait arroser. Ouais, affirme. Il est où le tank? Ça va être dur d'aller soigner du monde là. Ouais, là ça va être compliqué. C'est le véhicule qui tire là. Le blindé. Il arrive quand notre blindé là? Le blindé a été détruit. Oh putain! Dodge Calita, bon cul. Messieurs, faites attention, il y a des alliés à nous, azimut 110-115. Je pense que ça va être compliqué de relever ton camarade. Hein. Ouais, bah sinon. On traverse un moment de salon, ça va être chaud. Ouais, puis en plus, j'ai eu du contact tout à l'heure. Hornet, c'est chaud, hein! Dans la rue. Il y a du monde, hein! Ouais, je suis dans la grange, juste sur votre plan, sur ton plan, Harald. Ouais, par contre, préviens ton chef de groupe, je suis tout seul là, tout mon groupe est mort et j'ai une MG. Donc si ça intéresse, ok, je vais prévenir. Chef Chakan. Bah, éventuellement, là où je suis, dans la grange, il y a une sacrée position stratégique. Vas-y, traverse. On a. Je traverse la rue là. Ouais, il est en face là, tu vois, juste en face là. Par la grange là, vous avez un vis-à-vis sur toute la route et sur toute la forêt à droite. Ok, j'arrive. Attention les gars, attention blindé. Le blindé a pas éteint son moteur, ça? Si. Et après une explosion, ça se trouve il a pris des dégâts. Très visuel sur la route et non, il a pas explosé. Vous pouvez couvrir correctement, je pense. Hornet, ouais, prends pas de risque, Hornet là. Le soldat est mort. Ah merde. Ah putain. Ouais, c'était dangereux de perdre un médic. Là, on a encore toute la squad, il faut qu'on en profite. C'est bon, c'est bon. J'ai rien pu faire. Ah, c'est pas grave. Allez, on reste concentré, messieurs, allez.
L'ennemi est vraiment proche, donc écoutez et tout ce qui se passe. Chef Chakan, derrière nous, on craint rien. Il y a des alliés ou quoi? On peut être entouré dans tous les sens. Logiquement, l'escouade alliée est vraiment loin sur la ferme de Cobru pour notre dernière escouade alliée, donc on peut avoir du contact derrière nous. Hein. Est-ce qu'on va pas faire contourner là? Bonne question. Soldat Tipex, essayez de vous mettre un peu dans l'église sur l'arrière avec le soldat Hornet, s'il vous plaît. Bien reçu. Courage à vous, messieurs. Vous criez si vous avez du contact. Hein. Reçu, chef. Je sais pas si on pourra voir quelque chose de là-haut. Hein. Il veut qu'on regarde ce qui se passe à l'ouest, c'est ça? De cette fenêtre. Ouais, d'accord. Faut que vous regardiez ce qui se passe, les gars. Ok. Cette fenêtre est là, salutée, là, ouais. Je me les gèle. Putain, résiste pas. Allongé dans la neige, je te comprends, t'as les pieds dans la flaque d'eau en plus. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde de ce côté-là, hein. Côté nord et côté ouest. Hein. J'aimerais bien aller avancer quelques mètres pour jeter un coup d'œil. J'ai l'impression qu'on est tout seul. Et quelle maison, ADS? Je crois qu'on a perdu une squad complète là, de ce côté. Ah oui, je pense qu'il y a un truc qui va pas là. Okay. D'accord. Attends, je vais juste prévenir le chef. Chef! Affirmatif. J'ai l'impression qu'on a personne côté ouest ou même nord. Hein. Je pense qu'ils sont fait décimer, il y a aucun mouvement, aucune communication, enfin j'entends même pas quelqu'un parler, rien du tout. Alors j'ai eu une confirmation par radio qu'on a des troupes qui arrivent par le nord, qui vont bientôt arriver sur la route principale, donc faites attention. D'accord chef. T'as entendu Hornet? Ils arrivent sur vous d'ici quelques instants apparemment. Hornet, t'as entendu? Ouais, je vois un collègue, je vois un allié, deux alliés, je vois deux alliés arriver sur l'église. D'accord. Non, qui parle? Harald, est-ce qu'il faut que je me positionne? Ah ouais, visu, ouais. Pas deux, trois, c'est bien, tu viens un troisième. J'ai aucun visuel, ADS, tu peux te remettre en position. On prend ta fenêtre. J'attends, il y a une escouade à nous qui est en train de revenir, je vais voir comment ils se positionnent, et selon comment ils se positionnent, on risque peut-être d'avancer. Messieurs, on a des alliés à l'est de ma position. Azimut est, j'ai du monde dans les bâtiments, il y a un médic. Ok, reçu. Tiens, Hornet, remets-toi là-bas, peut-être c'est plus safe pour toi comme t'es médic. Négatif. Roupali en approche derrière nous, messieurs, faites gaffe. Derrière nickel, nous. on a du renfort, nickel, les gars. Faites attention, on a eu du contact dans les deux maisons sur la droite à 50 mètres et depuis on n'a plus aucun tir, plus aucun écho. Ouais, apparemment ils se sont peut-être positionnés dans les maisons. Pour le moment j'ai deux hommes qui couvrent par l'église, un homme qui spot à l'étage et deux hommes qui spotent la rue, mais on n'est pas sûr de pouvoir avancer si on n'a pas du renfort. Donc est-ce que vous souhaitez qu'on vous apporte du soutien et on essaye de clean les bâtiments ou vous voulez faire comment, sergent? Je pense, attendez, je vais ouvrir la map, c'est plus simple. On va continuer la route principale, puis on va bifurquer sur la droite pour aller sur l'objectif de Edge. Bien reçu, on a reçu l'ordre d'attaquer Soustern aujourd'hui. Fait une contre-attaque. Ici apparemment c'est... Enfin... Maintenant j'ai tapé, j'ai dans les timeout, donc c'est terminé, je pense que tu sais. Ok. Donc c'est terminé, donc on a fait des print screen, donc des positions qu'on avait, donc nous on était sur Cobru, donc on démarre sur Cobru au prochain événement. Et c'est une grosse côté américain. Eux nous ont dégommé le panthère, donc la prochaine fois on n'aura pas de panthère. Ça va chier un peu plus. Maintenant on peut continuer ici comme on le fait, on continue à aller voir plus loin. D'accord, donc il y aura... Leurs troupes pour le moment sont encore opérationnelles, on va dire. Ouais, les Américains sont là, mais leur attaque a échoué. Voilà. Ok, donc, reçu. On peut continuer comme ça pour le fun, mais je veux dire, tout le reste est frisé jusqu'au dernier event. Ah, voilà. C'est fini l'event? Ok, très bien. Messieurs, on a eu confirmation, l'ennemi vient de battre en retraite dû à la capture du point. Donc l'ennemi a battu en retraite. C'est des tirs de victoire. Bah, nous aussi alors. Bon bah messieurs, un jour plus en vie. On va un jour plus en vie, messieurs, bien joué.
Victoire, on a capturé un Sherman adverse. Attendez, messieurs, on va prendre une photo à côté du Sherman. Tous en vie, toute l'escouade, on va se prendre une photo. Ouais, ouais. Ah, il est beau le Sherman. Nice. À côté du Sherman. Non, il faut demander à une escouade, à une autre escouade. Notre escouade, on regarde en photo. Attends, je me mets en place. Bravo, messieurs. Vas-y, pas de problème. Ouais, félicitations, on est en vie. Personne n'est mort, ça c'est beau. Ça. Ouais. Beau temps, on était vraiment une escouade au contact.